Doug Ford n'est pas le seul à abandonner l'université francophone. Ce gouvernement a laissé tomber le Campus Saint-Jean, l'université francophone d'Edmonton. Pourtant, la population francophone en Alberta a augmenté et le nombre d'étudiants a doublé. Le financement ne répond pas à la demande et les libéraux ne dépensent pas les fonds. Au moins, le NPD d'Alberta a pris la relève. Pourquoi est-ce que les libéraux ne soutiennent pas le Campus Saint-Jean? Ouais. Alors, l'honorable ministre de la Bilinguisme. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, le campus Saint-Jean est très important. J'ai eu l'occasion de le visiter à plusieurs reprises, notamment avec mon ancien secrétaire parlementaire et député d'Edmonton Centre. C'est vraiment une institution extraordinaire et c'est pour ça que nous avons décidé de financer davantage les groupes linguistiques en situation minoritaire. Nous avons augmenté de 20% les budgets de toutes les communautés linguistiques et nous allons faire en sorte de continuer à les soutenir. Nous avons investi 2,7 milliards de dollars en langues officielles, le plus gros investissement de l'histoire en langues officielles et les francophones à l'extérieur du Québec et les anglophones au Québec sachent qu'ils l'honorable